Un film fantastique qui va plaire aux enfants. Oui, aux enfants, aux ados et aux adultes. Ça s'appelle La prophétie de l'horloge. Ça sort demain. C'est vraiment le film parfait pour vos mercredis, vos dimanches pluvieux et surtout pour Halloween, Pascal, qui arrive déjà dans un mois. On est plongé dans un monde fantastique. On suit les aventures du jeune Lewis, 10 ans. Il vient tout juste de perdre ses parents et il est recueilli par son oncle qui habite une immense maison dans une ville mystérieuse, une maison remplie d'horloges et de tic-tac. Très vite, Lewis comprend que son oncle et sa voisine, une femme assez froide, toujours habillée en mauve, sont des sorciers. Lewis va donc apprendre les ficelles du métier, mais il va faire une bourde en ressuscitant un dangereux mage. Regardez. Bonjour, tu es Lewis, je présume ? Cet endroit est tout à fait surprenant. Cette maison a été construite il y a extrêmement longtemps. Il y a une horloge cachée dans les murs. Tu entends le tic-tac ? Tic-tac. On ne sait pas à quoi elle sert. À part que c'est effrayant. Benjamin disait que c'était un peu le Harry Potter des temps modernes. Oui, c'est un peu ça. Soyez sans crainte, hein. Ça ne fait pas si peur que ça. C'est quand même assez accessible. C'est l'adaptation en fait de La Pendule d'Halloween de John Belair. C'est très bien fait. On est en fait dans les années 50, hein, dans cette demeure angoissante avec ce mobilier qui s'anime, des animaux empaillés. On a un peu l'impression d'être dans un train fantôme. Et le réalisateur Eli Roth, je voulais justement recréer les films de son enfance, E.T., les Gremlins. Et ça fonctionne. Moi aussi, ça m'a rappelé justement Harry Potter et un peu le monde de Tim Burton. Les décors, les effets spéciaux, vous l'avez vu, sont très beaux. Les vêtements sont sublimes. Il faut dire que la costumière a un CV énorme. Elle a beaucoup travaillé avec Madonna. Et les acteurs sont très crédibles. Le méchant est interprété par le génialissime Kyle MacLachlan, qu'on a vu chez David Lynch ou encore dans Desperate Housewives. Jack Black joue à merveille cet oncle un petit peu rond et loufoque. Et on a Cate Blanchett qui est métamorphosée. Ça nous fait du bien de la voir un petit peu à contre-emploi, en femme sarcastique d'un certain âge. Leur duo fonctionne très très bien. Delphine de Freitas les a rencontrés. Et Cate Blanchett nous raconte qu'elle n'a pas hésité une seconde avant d'accepter le rôle. Ça arrive parfois quand on lit un script que l'histoire ne vous saute pas aux yeux. Il faut que le réalisateur vous l'explique. Moi, j'ai souvent besoin de ça. Là, avec ce scénario, c'était l'évidence. J'ai tout de suite visualisé le film quand j'ai su qu'Eli Roth allait le tourner, parce qu'il sait vraiment comment faire peur au cinéma, vu qu'il a réalisé des films d'horreur. Et quand, en plus, j'ai su que je jouerais avec Jack, je me suis dit, ça ne peut que coller. La prophétie de l'horloge, ça sort demain, Pascal, sur Froide, garantie à voir bien sûr en famille et de préférence en VO, ça sonne toujours mieux. Oui, c'est vrai. Vous avez...